Allez, vous rappelez qu'il est tout juste 8h32 minutes passées sur Radio Maki. Nous avons le vétérinaire de Nukuhiva, M. Ludovic Verfay, donc, qui est avec nous ce matin. Et le sujet d'aujourd'hui, docteur, donc, c'est élever un poulain au biberon. Donc il y a des conséquences. Bonjour docteur. Kaohanui, Sophie. Bonne année. Bonne année aussi. Voilà, oui, donc j'avais envie d'aborder ce sujet parce que j'ai eu plusieurs cas de pépins sur des poulains élevés au biberon. C'est quelque chose d'un petit peu fréquent ici parce que c'est pas rare de trouver une jument morte avec son petit qui peut plus téter et que du coup on l'élève au biberon. Et c'est quelque chose qui est pas facile du tout. Il y a souvent beaucoup de casse et donc c'est pour ça que ça méritait de faire le point un petit peu dessus pour donner toutes ces chances à ces petites bêtes de pouvoir grandir au mieux avec les moyens du bord. Voilà, surtout donc la diarrhée alimentaire des poulains. Voilà, c'est la principale conséquence d'un élevage au biberon qui n'est pas parfait pour le poulain. Mais bon, je dis ça sans juger, parce que c'est difficile, hein. C'est très difficile d'élever un poulain au biberon. Là, on se rend compte que le lait maternel, c'est quand même très bien fait. Il y a toujours la bonne dose au bon moment, la bonne température, la bonne concentration. Et si on veut faire ça à la main, avec les moyens du bord, c'est vraiment compliqué. Autant élever un veau, les veaux sont beaucoup plus rustiques. Hein. Autant élever des agneaux, c'est un peu plus fragile que le veau, mais quand même. Autant élever un poulain au biberon, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Et c'est pas forcément spécialement connu, donc ça vaut le coup d'aborder ce sujet pour que ceux qui sont confrontés à ça en ce moment ou ceux qui le seront confrontés plus tard sachent qu'est-ce qui les attend et quelles sont les précautions à prendre pour que ça se passe au mieux pour le petit bébé. Pour le petit poulain. Et puis, alors, il n'y a pas de lait déjà donc pour le poulain quand il est au biberon. Donc pour les personnes donc qui donnent le biberon, alors le lait c'est forcément donc un lait en poudre. Alors voilà, ça existe hein, du lait maternisé pour poulain. Le truc c'est que c'est quelque chose qui ne s'utilise pas si fréquemment. Et puis il y a une DLUO, une durée limite d'utilisation optimale, ce qui fait que c'est souvent des produits qui se périment avant d'être vendus. Donc les cliniques véto qui font que des chevaux, en France par exemple ou ailleurs, n'ont pas forcément des gros stocks de ce genre de produits parce que c'est... Voilà. Donc en général, on va conseiller aux gens de faire un lait approximatif avec les moyens du bord. Et donc le lait avec les moyens du bord, ça va être du lait demi-écrémé. Donc c'est du lait en brique. Hein, où il y a moitié moins de matière grasse, d'accord. Le lait est écrémé en partie, matière grasse est aussi de protéines. Et ce lait, il est quasiment prêt à l'emploi. Il est un peu trop light, hein, il n'y a pas assez de matière sèche, donc que ce soit la matière grasse ou les protéines, et de glucose, le sucre. Il est un petit peu trop pauvre par rapport au lait de vache, mais le lait de vache entier, donc le lait en poudre, il est trop riche, donc ça passe pas non plus. Oui. Il vaut mieux donner du lait demi-écrémé et en donner plus souvent de manière à ce que le poulain arrive à avoir assez pour se construire. En général, ça fait des poulains qui sont un peu plus maigres au début, mais qui vont rattraper après. Si on arrive à tenir le rythme des biberons assez fréquemment au début, puis on espace au fur et à mesure des mois. Donc je voulais déjà rappeler qu'un poulain, en principe, est sevré autour de 8 mois dans la nature. Hein. On peut le séparer de sa maman... et donc arrêter le lait sans aucun risque quand il est élevé sous la mer à 8 mois. Ça veut dire qu'il commence à manger beaucoup plus tôt, hein, dès un mois et demi il commence à brouter, même parfois plus tôt, mais le lait constitue une grosse part de son alimentation, au moins jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois. Après, plus ça va, et plus l'herbe prend de la part dans son alimentation, et moins il a besoin de lait. Mais ça veut dire quand même que si on s'engage pour élever un poulain au biberon, il faut s'attendre quand même à lui donner... Bon, biberon, puis après au seau, hein, au bol, puis au seau, quoi. Mais il faut s'attendre à le nourrir, préparer du lait
pendant au minimum 6 mois. 6 mois de, oui. De son âge. Quoi. Donc c'est pas une mince affaire. Et au début, il faut garder un rythme assez soutenu, un biberon tous les 2 heures, y compris la nuit. Hein, donc la nuit, on va en faire un petit peu moins et on va faire un petit peu plus dans la journée parce que bon, nous aussi, il faut qu'on dorme et puis il faut qu'on arrive à tenir sur la longueur. Mais il y a besoin de donner très souvent au début et puis plus ça va, plus on donne en quantité et moins c'est souvent dans la journée parce que simplement l'estomac du poulain grandit et il peut boire plus à la fois. Quantité de lait en briques, on va dire, docteur, c'est combien de litres ? Bah, ça dépend. Au début, c'est les deux premières semaines, ça va être 300 millilitres par repas. Hein. Je dis bien par repas. Hein. Oui. Puis après, on va passer à 500, puis à 800, puis à 1 litre, 1 litre 2, 1 litre 5. Mm-hmm. On va monter jusqu'à, au total, 8 à 12 litres dans la journée, hein, vers 3-4 mois. Et puis après, on va commencer à baisser le lait. Tout en, parce que l'herbe prend la place et donc le tube digestif du poulain s'adapte. Et donc plus le temps passe et plus on va espacer les repas. Oui. Et puis au bout d'un moment, on va donner de moins en moins et puis on le sèvre. Mmh. Hein? Donc après, il faut faire ça en fonction de ce qu'on voit, comment réagit le poulain. Une erreur classique quand on donne le biberon, c'est de ne pas faire assez de repas. Or, le poulain, il a un tout petit estomac. Donc, si on lui donne donne que 4 biberons par jour, au début, par exemple, il va être affamé quand il va manger. Mmh. Donc, il va se gaver. Il va boire plus qu'il ne peut digérer. Et du coup, il part en syndrome de malabsorption, maldigestion, et ça part en diarrhée. Hein? La diarrhée existe aussi si jamais le lait est froid. Il faudra le réchauffer à 38, comme pour les bébés. Comme pour les bébés. Exactement. On regarde avec le dos de la main la température du lait dans le biberon. Si c'est trop chaud, ça va lui brûler la gueule. Si c'est trop froid, il risque de partir en diarrhée. Si le lait est trop concentré, il peut partir en diarrhée aussi. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de raisons qu'il y a de la casse. Hein. Voilà un petit peu, quoi. Donc l'histoire, c'est de donner suffisamment souvent pour que le poulain ait assez à manger, se satisfasse pendant le moment où on le nourrit. Oui. Et puis, il va revenir réclamer. Et là, il ne faut pas rater le coche. Il faut être un petit peu là, quoi. Hein. Voilà, tout ça pour vous dire à quel point c'est fréquent d'avoir des erreurs de biberonnage, si je puis dire. Et les erreurs vont se payer par une diarrhée, la plupart du temps. Et là, ça devient une urgence. Dès le début de la diarrhée du poulain, c'est une urgence. Parce que le poulain va se déshydrater très vite, il va se constiper, il va avoir... Et les conséquences de tout ça fait qu'il va dépérir rapidement. Et après, on a encore d'autres... Plus on attend et plus on a du mal à les récupérer. Ça m'est arrivé de soigner des poulains déjà en diarrhée. Je dois dire que peu ont tenu. En essayant de faire au mieux, peu ont tenu. C'est vraiment quelque chose de pas évident à rattraper. Mm-hmm. Donc, il faut, dès que la diarrhée commence, il faut tout intervenir. Voilà, les premiers signes de diarrhée. Voilà, donc, il faut intervenir. Voilà, les premiers moments de diarrhée. Donc, il faut prévenir pour qu'il reste encore en vie, ce pauvre petit poulain. Autre chose à rajouter, docteur ? Ouais, donc, comme je le disais au début, on va utiliser du lait en brique, demi-écrémé, surtout demi-écrémé. Pas du lait entier. Et puis, on va pouvoir rajouter un petit peu de sucre progressivement. C'est-à-dire, la première Combien semaine... Combien de cuillères ? Alors, au début, la première semaine, rien. Juste du lait demi-écrémé. Juste du lait. Voilà. Deuxième semaine, une demi-cuillère à soupe de sucre. Voilà. Il fallait progressivement pour qu'il puisse bien digérer. Chauffer à bonne température. Chauffer à bonne température, exactement. Ah ouais. La semaine suivante, on peut donner une cuillère à soupe de sucre. Idéalement, il faudra donner du glucose, mais c'est introuvable, ça coûte cher. Bon, on donne du sucre en poudre, et puis ça va, il arrive à se débrouiller avec ça. Que ce soit du sucre blanc ou du sucre roux. Sucre blanc. Sucre roux, c'est peut-être encore un petit peu mieux, mais voilà. Quatrième semaine plutôt, parce que première semaine on ne donne rien. Deuxième semaine, une demi-cuillère. Troisième semaine, une cuillère pleine. Une cuillère. Quatrième semaine, une cuillère et demie, et on arrive à la bonne dose
D'accord. Donc par litre de lait, je dis bien par litre, hein. On arrive à la bonne dose de glucose pour couvrir les besoins énergétiques du poulain. Du poulain. Voilà. Ben ça, là, c'est la partie donc biberon, progressivement, donc avec un rajout donc de sucre, de glucose. Et bien sûr, sans oublier l'herbe qui va brouter. Exactement. Donc là, bien sûr, il faut que là où il soit élevé, pas trop loin de la maison, ben, il faut qu'il y ait de l'herbe, qu'on puisse l'attacher à l'ombre, qu'il faut qu'il y ait de l'eau à disposition aussi, abondamment. À côté, abondamment, propre, qu'on la change s'il le faut dans la journée, parce que, en principe, si les biberons sont suffisamment fréquents pour qu'il puisse se nourrir ce qu'il peut au moment où il boit. Ses besoins en eau vont être presque complètement couverts, mais pas complètement. Alors si en plus il boit, il mange de l'herbe avec, il a besoin de boire de l'eau. Il a besoin de boire de l'eau. Hein. Donc ça veut dire aussi que dès qu'il part en diarrhée, il faut contrôler son état de déshydratation, parce que donc, plus il est déshydraté, et plus il y a une souffrance de l'ensemble de l'organisme. Et après ça barre en sucette, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça. Alors, quels sont les soins à apporter donc, pour un poulain qui a donc, la diarrhée? Déjà, on repasse à l'eau, dans l'immédiat, on repasse à l'eau, et puis on va changer le protocole de lait, on va réintroduire le lait progressivement. Mmh. Il faut parfois le mettre des fois, il faut le perfuser. Des fois, il faut le perfuser quand il est trop déshydraté, quand il est déjà déshydraté. Il faut gérer l'éventuel... La diarrhée, en sachant que ça risque de basculer sur la constipation après. Donc là, je parle du traitement médical. Hein. Quand on ne peut pas perfuser, bien sûr, on peut déjà commencer par la phanolite. Donc la phanolite, ce sont les petits sachets qu'on vend en pharmacie, de sels minéraux qu'on rajoute dans l'eau pour faire un équivalent de liquide réhydratant par voie orale, pour commencer une réhydratation par voie orale. On peut déjà commencer par ça. Mais s'il est trop déshydraté, la perfusion est indispensable. D'accord. Donc, comment on sait qu'une bête est déshydratée? On va prendre un pli de peau, là où la peau est suffisamment lâche. Donc, par exemple, sur un poulain, ça va être derrière les pattes avant, sur le plat de côte, juste derrière l'épaule, en fait. Oui. Où on peut pincer la peau, tirer dessus, on lâche et on regarde à quelle vitesse la peau revient en place. Quand elle revient instantanément, le poulain est bien hydraté. Et plus ça met du temps à revenir, déjà à partir d'un quart de seconde, pour revenir, ça montre que le poulain est déjà déshydraté. Et ça, il y a déjà des répercussions sur sa santé. Donc, dès que c'est déshydraté, on est dans le domaine de l'urgence. Voilà. Après, des fois, le traitement se poursuit, il faut des antibiotiques, il faut réguler le transit, il faut faire du charbon actif, on peut donner aussi de l'argile, du smecta pour essayer de gérer la diarrhée. Mais déjà, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de diarrhées des poulains sont liées à un problème alimentaire. C'est pas assez chaud, on donne trop d'un coup parce que le poulain faim, parce qu'on donne pas assez dans la journée. Hein. Voilà, ça c'est. Et donc la concentration est pas la bonne. Oui. Donc tout ça pour dire que c'est possible, mais c'est dur, et il y a pas mal d'échecs. Donc, si on arrive à tenir le coup des biberons au début, donc 12 fois dans la journée, puis à partir du deuxième mois, on passe à 8, puis après on passe à 6, puis à 4, et tout en augmentant les quantités. Donc, bien sûr, au début, c'est un biberon, puis après on passe au bol, puis après on passe au seau. Mais voilà, si on arrive à s'accrocher et que le poulain arrive à manger suffisamment d'herbe, vers 4 à 6 mois, déjà on est du bon côté de la pente. D'accord. Et on a de fortes chances qu'on arrive à en faire quelque chose. Un petit détail qui n'en est pas un, ce petit poulain, il faut aussi le sociabiliser, c'est-à-dire le mettre avec d'autres chevaux pour qu'il apprenne les us et coutumes dans son espèce. Parce que lui, il va être complètement imprégné de l'espèce humaine et va se prendre pour un humain. Et il va vouloir entrer dans la maison, il va vouloir... mais il ne saura pas du tout comment faire quand il sera en contact avec d'autres chevaux.
Donc il faut, dès 2-3 mois, hein, il faut l'emmener voir d'autres chevaux, qui se fassent renifler par d'autres mamans, tout ça. Oui. Et qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'être un cheval. Docteur, ouais, les biberons de nuit, combien de fois? Idéalement, il faudrait se lever au 2 fois, quoi, ou voire 3 fois. Je parle au début, hein. Parle au tout début, hein, la parole la plus délicate. Hein. Ouais. Ceux qui ont du courage, ils se lèvent 4 fois. Voilà, là, on donne toutes ses chances. Donc, c'est presque plus exigeant que de nourrir un bébé. Hein. Voilà. Après, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... il y a des gens qui peuvent acheter des compléments alimentaires pour chevaux, des aliments concentrés, énergétiques, qu'on peut commencer à donner à partir de 4 mois, en y allant progressivement. Hein, on fait toujours des transitions alimentaires, oui, progressivement avec les bêtes pour éviter les coliques. Pas d'un coup. Voilà. Et ce style de nourrissement va permettre... sevrer plus tôt. Au lieu de sevrer à 7-8 mois, on peut sevrer dès 4 mois et demi, 5 mois. Mais il faut trouver ses aliments. Donc ça veut dire que ça s'achète dans des boîtes spécialisées à papeter, ça coûte cher, tout ça. Alors, je ne sais pas si le tourteau de copra serait assez équilibré pour remplacer ce genre d'aliments. Et je ne suis pas sûr qu'il soit assez équilibré, puisqu'on l'a complètement... On l'a déshuilé. Hein. Oui. En gros, hein, c'est le... C'est du coco séché qu'on a déshuilé. Moi, je doute que ce soit un aliment qui, s'il est majoritaire, permette de faire une ration équilibrée. Quoi. Pourtant, ils apprécient les chevaux. Ouais, ils apprécient. Oui. En complément de l'herbe, hein, je parle pour les chevaux adultes. Oui. Hein. Oui. Pour les chevaux adultes, en complément de l'herbe, c'est bien. Hein, c'est quelque chose d'utile. Ça va ramener de l'énergie et tout ça. Des fibres, et puis voilà, ça... En grande quantité, docteur, ou... On parle des chevaux adultes, hein. Oui, on parle des chevaux comptes. Adultes, hein. On peut en donner quelques kilos dans la journée, bien humidifié, et une fois de plus, on ne donne pas brutalement du tourteau. Bien humidifié. Ouais. C'est important. Ah bah oui, sinon on risque un départ de colique, ou ce genre de choses. Aussi. Ouais. Il faut toujours penser que... le cheval et n'importe quel mammifère, nous y compris, on ne digère pas directement les aliments. Ok, on a de l'acidité dans l'estomac, enfin, on a un broyage par les dents, oui, c'est malaxé par l'estomac, il y a de l'acidité, il y a des enzymes, le pancréas fait des enzymes, tout ça. Mais il y a aussi une énorme flore digestive, des bactéries. On a même 1000 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Je parle pour l'homme. Hein. Alors, je parle même pas des vaches avec leur rumen, oui, donc leur panse gigantesque, où là, il y a carrément un milieu énorme de bactéries et de protozoaires. Hein, donc là, juste pour la fine bouche, en gros, les bactéries arrivent à dégrader la cellulose. Le sucre en chaîne qui fait l'armature des cellules végétales, hein, ça représente un stockage d'énergie. Donc les bactéries sont capables de découper ça en sucre simple, digéré par la vache. Les bactéries font un gros travail de dégradation des matières végétales. Mm-hmm. Ensuite, les bactéries sont mangées par des protozoaires, comme les amibes. Je dis bien comme les amibes, ce ne sont pas les amibes, les amibes sont des agents pathogènes. Mais c'est pour te donner une idée, c'est des petites cellules, beaucoup plus évoluées que les bactéries, et qui vont vivre dans la panse, et qui vont manger les bactéries. Et ces protozoaires vont être digérés par la vache dans son intestin. Voilà, pour faire un petit peu simplifier, donc finalement la vache, elle est limite carnivore. Quand on regarde ça, elle ne se nourrit pas directement de l'herbe, ouais, elle se nourrit de toute la faune, la flore bactérienne et la faune de ciliés, de protozoaires, de petits organismes unicellulaires qui vont manger les bactéries et qui vont être elles-mêmes digérées par la vache. Donc,
chez les herbivores en général, la flore digestive a une importance capitale. Et c'est pour ça que souvent, tous les herbivores ont de très longs tubes digestifs et ont des excroissances pour permettre le développement d'une flore bactérie. Donc chez la vache, cette excroissance à l'origine même, ça fait partie des pré-estomacs, c'est comme si l'œsophage était entièrement transformé pour faire trois pré-estomacs. Donc il y a le feuillet, le réseau, le rumen, et pour finir la caillette. Ça c'est les quatre semi-estomacs, on va dire, de la vache. Et bien, la caillette c'est le vrai estomac comme pour nous, qui fait de l'acide et de la pepsine. Mais ce qui avance, ce sont des modifications de l'anatomie des herbivores au fil des millions d'années pour s'adapter à avoir à l'intérieur une énorme flore de bactéries, de protozoaires pour digérer les végétaux que l'animal est incapable de digérer tout seul. Pour le cheval, ça ne sera pas un rumen en amont de l'estomac, de la caillette, ça sera le cécum qui est très développé, qui est énorme. Le cécum, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'appendice. C'est ce qui reste. Nous, on a juste un tout petit vestige de cet appendice, donc un tout petit bout qui peut servir de cul-de-sac pour des rognures d'ongles ou pour des petites choses dures qu'on avale, des petits bouts de cailloux, que sais-je, du sable, et qui s'enflamme, ça fait une appendicite. Ben, le cécum, c'est le vestige d'un organe qui était plus développé avant, peut-être chez nos ancêtres, qui mangeaient peut-être plus de végétaux, genre j'en sais rien, j'essaie de comprendre comment ça se passe. Eh bien, chez le cheval, cet appendice est énorme, ça prend une bonne partie du volume du haut du ventre côté droit, hein, quand on palpe ou qu'on ausculte le cheval, et ça contient une flore digestive énorme, des bactéries qui vont pouvoir digérer tout ce qui est cellulose. Donc du coup, cette flore est adaptée aux aliments que le cheval mange couramment. Mais si on change brutalement son alimentation, c'est d'autres types de microbes qui vont prendre la place et ça va faire ce qu'on appelle une colique. Donc ça va faire des fermentations, beaucoup de gaz, la compression fait que ça ne circule plus et donc c'est très douloureux et donc c'est l'une des premières causes d'urgence chez les chevaux, c'est la colique. Donc la colique peut arriver chez des poulains aussi, à cause d'un problème d'alimentation, d'un lait mal réglé, de la même manière. Voilà. Et donc, si on veut changer l'alimentation du poulain, comme pour le cheval adulte, d'autant plus, parce que c'est plus fragile, il faut y aller progressivement. Hein, si on veut lui donner, à partir de 4 mois du tourteau, on peut, mais en commençant, une petite tasse le premier jour, deux tasses le lendemain, trois tasses après, et puis progressivement, on peut lui donner la quantité qui ira bien. Alors docteur, on parle du lait, on parle d'herbe, donc on revient donc sur nos poulains. Oui. L'alimentation, donc qui les fruits. Alors, les fruits, très bonne question. Attention aux fruits. Attention aux fruits. Les fruits, ce sont essentiellement des sucres fermentés cibles, des fibres, des vitamines. Il y a des choses qui sont chouettes dans les fruits. Le souci, c'est la transition. D'accord. Voilà. Si vous donnez 2-3 mangues à un poulain alors qu'il n'y en a pas eu les jours d'avant, ça peut partir en colique. Voilà, parce que cet apport massif de sucre fermenté cible va faire développer, va permettre à une flore bactérienne qui va digérer les sucres rapides, mais qui va faire de l'alcool et des gaz. Ouais. Ah oui. Ah, il y a un petit faux contact. Voilà, ça y est, là c'est parti. D'accord. Je reviens sur ma question. Ouais. Docteur, vu que le sucre est ajouté progressivement, déjà dans le lait donc, du poulain, et le rajout bien sûr des fruits, surtout donc, des mangues en ce moment, voilà, donc ça peut provoquer donc, le colique. Ouais, c'est la brutalité des transitions qui fait la colique. C'est un surplus de sucre. C'est trop de sucre en plus d'un coup.
D'un coup. Voilà. C'est pour ça que si on y va mollo, progressivement, tiens, on donne une joue de mangue au poulain, il va se régaler, ça va être une petite récompense, ça va passer. Mais si on donne trois mangues d'un coup, alors qu'il n'en avait pas mangé les jours d'avant, ça ne passera pas. Il faut aller en douceur, il faut changer en douceur l'alimentation. Voilà, surtout pour les poulains. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être régulier, d'avoir de l'herbe, quitte à aller en chercher, ou du foin, de l'herbe sèche, quitte à aller couper de l'herbe pour lui en ramener tous les jours. Il faut être régulier. Et ça passe nif, le poulain va s'habituer progressivement. Mmh. Il va avoir le lait d'un côté, l'herbe de l'autre. Et avec la patience, on arrive à élever des poulains, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Voilà. Un dernier mot, docteur. Ben en fait, je voudrais surtout pas que les gens qui ont essayé d'élever des poulains et qui n'ont pas réussi se sentent coupables ou se découragent, parce que c'est loin d'être facile, même pour des gens dont c'est le métier. Et donc c'est toujours bien d'essayer de sauver une bête. Hein. Moi, je trouve ça très beau d'avoir le courage d'essayer de faire quelque chose. Oui. Mais voilà, il faut savoir que c'est délicat, et il faut être patient et il faut avoir le temps, il faut avoir du temps pour donner le biberon toutes les 2 heures dans les premières semaines. Puis après on espace, c'est de plus en plus facile. Oui. Mais le début est quand même éprouvant pour nous. Donc il ne faut pas se décourager, c'est possible et je trouve ça très beau de donner de son temps pour sauver une bête. Et ce qui est important, hein, tu le disais tout à l'heure, docteur, les premiers signes de diarrhée, donc il faut prévenir. C'est une urgence. Donc oui, c'est une urgence. Il faut tout de suite s'occuper des diarrhées. Voilà, donc ça veut dire qu'on passe du lait à l'eau dans un premier temps, pour éviter que le problème alimentaire, le problème lié à la cause de la diarrhée persiste. Et il faut être très vigilant sur la déshydratation. Voilà, c'est une urgence. Merci, docteur. Avec grand plaisir, Sophie. À dans 15 jours. Ok, ravi. Voilà, je vous rappelle notre invité ce matin dans les studios, le vétérinaire de Nukuhiva, M. Ludovic Verfaille.